Et je vous reviens, on est très excités par ce match qui commence. Vous battrez ce cuit, le choc. Grosse pression tout autour de la pelouse. Le coup d'envoi dans un instant. Bonjour à toutes et à tous, les conditions climatiques sont au rendez-vous pour ce match. Un temps idéal pour jouer au foot. Benjamin Da Silva pour vous faire vivre ce match avec celui qui a porté les couleurs de Paris et Monaco, notamment Omar Da Fonseca. On va prendre du plaisir à suivre cette rencontre tous ensemble et on sent l'ambiance monter peu à peu dans le stade. Une très belle fête ce soir. Je suis très heureux de partager ce match avec vous parce que c'est ça le foot, c'est la joie du partage. Et c'est dévié sur le poteau. Voilà la compo officielle. Composition assez offensive avec ce 4-5-1 ou alors 4-2-3-1. Enfin, on verra bien. Tout ça, ce sont que des numéros de téléphone. Le hors-jeu signalé, là, dommage. Il faut être patient sur ce genre de passe. Il faut prendre le temps de bien la mâcher. Voilà la composition officielle de cette équipe. Schéma en 4-5-1, le même que l'adversaire. Mais ça ne veut pas dire que ça va jouer pareil. Chaque équipe va garder sa personnalité. Oui, bonne série de passes pour faire bouger le bloc. Magnifique ce contre. Oui, le ballon est intercepté. Toutes nos excuses aux spectateurs qui voulaient faire le dernier détour par la boutique. Dû à un problème technique, la boutique restera fermée jusqu'à nouvel ordre. Merci et... Virginius. Johan Gastien. Bien défendu. Ouh, dans le dos de la défense, là. Intervention du gardien. Bien fait, une bonne intervention pour dégager ce ballon. Oui, voilà, c'est une bonne séquence. Et le gardien qui écarte bien le danger. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Rachani. Ah, le ballon leur échappe. C'est une bonne progression dans le camp adverse. Intervention risquée, mais ce ballon est récupéré. El Bassad Rachani. Ce ballon est intercepté. Et voilà, donc l'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Et c'est dégagé en touche. Ah non, c'est récupéré par l'adversaire. Le tir, pas de faute, c'est bien défendu. Et la frappe passe très loin du but. La priorité, peu importe la distance, c'est cadrer. Pas besoin de voir les statistiques pour mesurer la timidité des deux équipes. Si tu te retiens pour jouer, jamais tu ne pourras prendre du plaisir. Il ne faut pas jouer pour neutraliser l'adversaire, il faut jouer pour le déstabiliser. Et on lève la tête là, peut-être un centre.
Nous sommes dans les 30 dernières minutes de la rencontre. Et c'est bien défendu, sans faute. Et ce ballon qui est perdu. Vers Ripard. Attention à cette action. Ah, le danger bien repoussé par le gardien. L'occasion de prendre l'avant. Avantage avec ce corner. Le public se fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. Il est bien frappé ce corner. Assez bien défendu ça, le danger maintenant est écarté. La pression sur le porteur. Magnin. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Nous sommes installés dans le camp adverse, peut-être une bonne occasion à venir. La frappe a beau être relativement proche du but, c'est sans danger. Effectivement, et ça sort en 6 mètres. Allez, changement donc. Avec Diop, à reculer pour ensuite exploser en contre, c'est une tactique à utiliser. Les dernières minutes de la rencontre, c'est l'heure maintenant de tout donner, d'aller chercher le but de la victoire. Maxime Gonalon. Castien à la réception. Une minute d'arrêt de jeu au minimum. Allez, peut-être, pourquoi pas, le danger là. Et c'est une égalité parfaite donc dans ce match au moment où l'arbitre siffle la fin du temps réglementaire.